Bonjour, alors je voudrais vous montrer quelque chose, comment afficher des fichiers URDF pour développer de ces robots sur son propre simulateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on développe des URDF parce que ça mérite plusieurs vidéos à lui tout seul, parce qu'il faut rentrer l'inertie, tout plein de choses, peut-être que j'en ferai une à l'avenir. Mais maintenant je veux me concentrer sur... je vais commencer par montrer la structure des fichiers. Donc j'ai un environnement de travail, un Catkin workspace, un workspace, pardon, un ROS workspace. Zut. Alors, mauvais fichier. Bon, je vais ouvrir un nouveau. Pourquoi ai-je fait ça? Voilà, Catkin. On entre dedans. Dans source, on a un package. Dans le package, j'ai créé tout plein de dossiers. Je pouvais ne pas le faire, hein. C'est juste pour mieux organiser les choses. Et ce que je veux que vous voyez dans un premier temps, c'est que j'ai un fichier URDF. Dans le fichier URDF, j'ai first.urdf où j'ai. Alors, j'ai recopié tout ça, sauf pour cette partie que j'ai éditée. Donc là, ça crée juste, je crois que ça crée un carré. Ça crée un joint entre celui-là et celui-là. Et là, pour la géométrie, je crée un... pardon. J'utilise un mesh, donc un objet 3D, point DAE. Et l'objet 3D, alors, j'ai envie de préciser quelque chose. Vous pouvez voir que c'est dans le package plante. Donc il faut que si je mets... pardon. Si je mets ici ROS pack list grep pour... donc ROS pack list, ça va lister tous les packages qu'il connaît. Pardon. Grep, ça va chercher dedans, dans les résultats. Et que je mets plante, vous allez voir que ça ne donne rien du tout. Par contre, si je source tout ça, donc que je dis au terminal de prendre en compte les fichiers qui se trouvent dans setup.bash, plutôt les lignes de commande, là, si je refais la même commande, il devrait reconnaître plante. Alors, vous pouvez voir en premier qu'il le reconnaît et que c'est bien celui que je veux. Donc il faut, ça c'est important. Sinon, quand on lui dit package plante, comme on l'a fait ici, il ne reconnaît pas. Pardon. Donc ce qu'on va faire, on va faire par deux méthodes différentes. On va afficher ça. Alors le fichier aa.dae, c'est juste un cube dans Blender, le cube le plus basique qui soit. Pour ça, j'ai, je crois que je l'ai ici. J'ai ouvert Blender, j'ai tout supprimé. C'est important de supprimer la caméra, de supprimer la lumière. Et ensuite, fichier export collada.dae. Une fois que ça c'est fait, bon tiens, ça j'en ai plus besoin. On va mettre save. Bon en fait non, on va pas mettre save. On va juste quitter. Parce qu'il n'y a rien de toute façon. Une fois que ça c'est fait, on aura besoin, je vais fermer ça parce que c'était juste pour vous montrer. On aura besoin de terminaux qui ont tous les deux été sourcés. C'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est fait là et c'est fait un peu plus bas ici. Alors, je vais arrêter ça. Zut. Ensuite, j'ai un autre fichier, un ROS launch, qui est super basique, mais qui est relativement important pour cette méthode. Pour l'autre méthode, c'est pas important. Alors, je ferme ça. J'ouvre le fichier, pardon, excusez-moi, j'enlève juste l'audio. Le launch, je l'ai appelé simple.launch. Alors, ce que ça fait, c'est que ça donne le paramètre description, donc robot-description, ça lui donne la valeur du chemin vers find plant. Donc, on pourrait le remplacer, à vrai dire, si, je pense que si on remplace ça par le chemin absolu, donc, c'est-à-dire que si on fait CD Catkin
source plante et qu'on fait PWD, qu'on remplace ça par ça, ça par ça, ça va, on n'aura pas besoin de sourcer. Sauf que comme on source à chaque fois, on n'a pas besoin de le remplacer. Donc il va trouver le package plante et là il va rentrer dans le dossier URDF et il va charger le fichier first.urdf comme robot description. Vous allez voir pourquoi. Donc ça c'est important. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lancer ce fichier launch. Je me mets dans le répertoire, c'est important aussi, dans le répertoire du fichier launch. Et je fais un roslaunch simple. Point launch. Là, ça va me dire que ça va le charger. Et là, vous voyez cette ligne qui est très importante. Rose description, c'est il a mis juste après ça le contenu du fichier URDF comme on lui avait dit de le faire dans le rose launch. Et ensuite, maintenant, si je lance Arvis, qui est Robot Visualization ou Rose Visualization. Que je donc la scène est vide, que je charge un fichier robot model et là le robot model il va directement chercher le paramètre robot description. Peut-être qu'on peut le faire autrement, mais je ne sais pas comment on fait ça autrement. Et vous pouvez voir que il affiche le cube avec un autre élément ici. C'était la première partie, c'était le cylindre, la première partie du fichier URDF. Bon, il y a des erreurs parce qu'il a des problèmes de base link, de right leg, etc. Bon, il faut lire les erreurs et voir. No transform from right leg to map. Donc, il ne sait pas trop comment lier tout ça avec la map de base qui est ici. Peut-être que si je change. Non, je ne peux pas changer ça. Peut-être que si. Non. Et on voit que l'URDF, il peut lire son problème. Donc ça, c'est une manière de voir, mais il faut dire qu'elle est un peu longue parce qu'il faut lancer à chaque fois Ross Lunch et le URDF. Arvis est chargé le URDF, même si je pense qu'on peut sauvegarder le Arvis. Il y a une autre manière, c'est Visual Studio. Alors pour ça, il faut aller dans les add-ons, installer Ross, l'add-on Ross, et ensuite charger son fichier, son package. Normalement, il va reconnaître directement que c'est un package ROS si vous avez ROS installé, comme ici, ce qui est cool. Et si vous faites CTRL SHIFT P, je crois, CTRL SHIFT P, ALT P, SHIFT SHIFT P, ah, je sais plus comment on fait. Alt Shift P, Shift P, Ctrl Shift P. Zut. Je sais plus comment on fait ça. C'est embêtant ça. Si je fais New File. Alors, excusez-moi un instant, je vais regarder ça sur Internet. J'oublie, j'utilise à chaque fois le mauvais clavier. Non, mais c'est pas ça que je veux. C'est bien CTRL SHIFT P, je l'ai vu là, plus bas. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, ça devrait fonctionner normalement. Peut-être qu'il a du mal. Alors. CTRL. Place Shift. Voilà, et eh ben c'est bien ça. Il faut faire CTRL SHIFT P.
Je ne sais pas pourquoi le mien ne fonctionne pas. Terminal. Ah, pardon, c'est VS Visual Studio. Ah, mais oui. J'étais sur le mauvais clavier. Ctrl-Shift-P. Ou pas. Ctrl-Shift-P, pardon. Voilà. Et là, si je tape URDF. URDF. Vous pouvez voir ROS Preview URDF. Et dès que vous sauvegardez, vous faites un CTRL S, vous allez avoir ce magnifique. Je trouve vraiment ça super parce que ça facilite énormément le développement des robots de simulation. Vous allez voir, bon, c'est que visuel, ça ne donne pas, je pense, d'informations sur l'inertie, etc. Mais ça permet d'avoir un environnement comme ça 3D. Vous pouvez voir, attendez, je vais changer quelque chose. Je vais changer la longueur du. Je vais rajouter un ici. Et dès que je sauvegarde, hop, ça met à jour. Vous pouvez voir, alors je ne sais pas si on a bien vu, que si je supprime le 1 et que je sauvegarde, hop, ça a changé la taille de l'élément. Alors là, je charge un fichier Blender. J'avais pas de texture. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je suis encore en train de travailler avec les textures. Apparemment, il faut qu'elles soient, je connais pas le terme en français, mais cuites. Tiens, on va chercher ça ensemble. Blender Bake ou 3D Bake Wiki. F baking. Ah, on n'a pas d'article à proprement parler. C'est ce que je fais pour trouver d'habitude le. Non. C'est ce que je fais d'habitude pour trouver le mot en français. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je crois que j'ai couvert tout ce que je voulais dire. Ça peut vous faciliter énormément le développement de fichiers de robotique URDF pour Uniform Robotic Description Format.